En fait, c'est un peu bizarre. Et j'ai pris la décision de dormir avec. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester un assouplissant à la maïzena. J'ai vu cette vidéo sur YouTube, pas mal de youtubeuses l'ont fait et j'ai vraiment eu envie de tester. Pour commencer, je pense avoir raté un peu ma mixture, voilà. Donc vous êtes censé prendre 4 cuillères de maïzena. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait à vue d'œil. Ensuite, vous rajoutez de l'eau. Puis, vous mettez votre casserole sur les plaques et vous laissez tranquillement à feu doux tout en remuant. Quelques minutes après, le mélange commence à épaissir. Une fois que ce mélange a épaissi, vous pouvez transvaser dans un autre contenant. Vous laissez un peu refroidir, puis rajoutez l'huile végétale de votre choix. Pour ma part, c'était l'huile d'avocat. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai trouvé mon mélange trop liquide et j'ai rajouté 3 cuillères de maïzena, d'où cette épaisseur extrême en fin de vidéo. Bon, du coup... Bon voilà, donc je vous montre un peu mes cheveux. Là ils sont un peu étirés parce qu'ils étaient dans un chignon. Déjà ils sont un petit peu secs. Donc là on peut les voir, ils sont un petit peu secs. Mon maquillage, j'ai essayé de vous faire un chit-chat make-up. Du coup j'ai mis des faux cils archi longs. Et mon make-up n'est pas vraiment réussi parce que j'étais plus occupée à parler qu'à me maquiller. Je vous préviens déjà, j'ai un peu raté de toute façon. Je vous explique. J'ai pas mis assez d'eau. En fait, c'est un peu bizarre. Bon, les gars, je pense que... Oh, je vous explique, c'est beaucoup trop épais. En fait, la texture que j'ai prise était trop épaisse. Et voilà, c'était beaucoup trop épais. Donc je pense que ça m'a un peu cassé, pas cassé mais je sentais que le peigne quand il passait ça me regardait. Ça me cassait les cheveux, trop particulier. Je pense que, bon je retiens ça, je vais voir après. Je pense que j'aurais dû en mettre beaucoup moins. Et voilà, du coup, après je vais vous montrer un peu. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'était texture un peu crème façon. Je sais pas si vous voyez, genre texture un peu crème pommade. Alors que quand je regarde sur les autres vidéos, c'est un peu plus liquide. Donc, je me suis un peu foirée à ce niveau-là. Et voilà. Donc, je vais... C'est pas grave. Je vais juste laisser un peu poser quand même. Je vais pas laisser longtemps. Parce qu'il est tard. Mais ouais, je vais laisser un petit peu poser. Et voilà. Donc je vais laisser poser, je pense, 30 minutes par là. Je vais laisser poser une trentaine de minutes. Et ça sera terminé. Par contre, regardez tout ce que j'ai. Ça va faire un sacré gaspillage. Hein. Je pense que je vais retenter cette vidéo de manière un peu plus liquide. Hein. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais laisser poser et je reviens quand le tout sera rincé. Bon, je vous reprends, j'ai toujours pas rincé mes cheveux, je vais les rincer tout à l'heure. Mais franchement, comme ça ils sont super beaux. Après oui, c'est clair que je peux pas les garder. Genre ça, je voulais juste vous montrer que ça m'avait bien défini mes boucles.
Elles sont assez bien définies quand même. Ouais, plutôt bien définies. Bon, je vous reprends après le rinçage. Ok, donc me revoici. J'ai rincé, j'ai passé un peu un après shampoing. Et on verra le résultat en live. Voilà, hop. Ouh. Mon cuir chevelu me gratte un petit peu. Bon. Par contre, je les trouve très doux. Ça, c'est... ouais, ils sont vraiment très, très, très doux. Je vais aller voir dans le miroir. Je crois que vous voyez, mais même mes ondulations, elles sont plus jolies. Elles sont un peu plus jolies. Ah bah, attendez, je vais les laisser se détendre, en fait. Ouais. Elles sont un peu plus jolies. Après, je vois pas trop le changement. Avec mes cheveux, genre après shampoing normal, mais ça se sent plus en fait, je les sens beaucoup plus doux. Sinon mes boucles, je trouve que c'est les mêmes, mais par contre ils sont tellement doux. Par contre c'est agréable. Et c'est vrai que d'habitude mes cheveux, j'ai des cheveux assez secs qui ne prennent pas vraiment l'hydratation, mais là j'ai l'impression ça... Ah, ils sont tellement doux. Je vous promets, j'aime trop. Non, ils sont vraiment doux. Bref. Du coup, point positif, mes cheveux sont doux. Ma main, c'est... Oh, j'aime trop quand même. Par contre, ça me gratte un peu le cuir chevelu. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, je les trouve doux. Du coup, pour le côté assouplissant, non. Parce que je vois pas la différence. Mes cheveux, après le shampoing, ils sont comme ça. Hein. Ils sont clairement comme ça. On va pas se mentir, mes cheveux après le shampoing ils sont comme ça. Mais je les trouve super doux. Ouais, vraiment doux. Je pense quand même que je vais recommencer, mais cette fois-ci, je vais vraiment regarder, suivre un petit peu. Je vais regarder une vidéo en particulier ou un blog et je vais suivre pas à pas parce que ce truc super épais, hein, on est d'accord que c'est pas ça. Voilà, donc je vais suivre pas à pas, je pense, une petite vidéo ou autre et essayer de le faire mieux, mais franchement, mes cheveux sont doux. Genre, je suis fan, là. J'aime trop. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Il me semble que ça sera un vlog... Oh, non, mais franchement, je crois que même les boucles... Je sais pas, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je le referai, donc vous reverrez une vidéo, je pense, où je vous ferai un update dans un vlog, mais franchement, vraiment pas mal. Les gars, j'ai décidé de faire quelque chose, ça m'est venu comme ça. En fait, il me restait pas mal de produits, vous l'avez vu. Du coup, je me le suis étalé sur le crâne, voilà, en vraiment très très grande quantité. Donc je pense qu'on peut le voir. J'ai fait comme un cataplasme, j'ai vraiment tout étalé, tout badigeonné. Et j'ai pris la décision de dormir avec, voilà. Donc je vais passer la nuit avec. Après, je vous rassure, c'est de la maïzena et de l'huile d'olive, voilà. Je vais laisser poser toute la nuit. Et donc ça va donner... Je vais juste passer la nuit avec. J'en ai mis énormément. Ça dégouline. Oh, je pense que ça se voit là. Oh, ça fait trop bizarre. Du coup, je vais passer la nuit avec. Je vous reprends demain. Je vous rassure, il est très tard. Il doit être 2h du matin. Je vais me réveiller pour 8h demain. Donc, voire plus tôt. Donc, demain, je vais faire mon shampoing. Et on verra ensemble ce que ça a donné. En tout cas, pour le moment, je vais dormir avec mon petit masque posé sur la tête. Voilà, du coup, c'était juste pour vous dire ça. Voici mes cheveux directement au réveil. La mixture est toujours dessus et à poser toute la nuit. Voici... oh, je sais pas où. Mes cheveux sont encore un peu humides. Mais voici ma tête. Après une nuit, hop. Voilà, une nuit complète. Recoucou.
Donc voici mes cheveux le lendemain. J'ai juste mis un peu de crème, j'ai mis un leave-in Cantu. Mais je sais pas si vous voyez super bien, je vais augmenter la lumière. Ouais, donc comme vous le voyez, franchement j'ai rien à dire, je trouve que mes boucles sont un peu plus définies. Après ça change pas grand chose, j'ai toujours eu des boucles un petit peu définies comme ça quand je mettais un leave-in, mais là je les trouve plus doux et quand même j'avoue un peu plus définies. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai tenu à vous montrer le résultat le lendemain matin. Je vais réitérer l'expérience et je vais, comme je vous l'ai dit, le réessayer avec, avec les bonnes doses, parce que je pense que je n'ai pas très très bien dosé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petit résultat. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Naya, naya, bonita, bonita.